La famille de Jérôme et Lucille, l'amour est dans le pré, est sur le point de s'agrandir. Afin d'accueillir leur deuxième bébé, les heureux futurs parents ont décidé de réaliser quelques travaux dans leur ferme. Depuis leur rencontre dans l'amour et dans le pré, Lucille et Jérôme filent le parfait amour. Fiancés depuis quelques mois, ils se sont mariés l'été dernier, partageant quelques photos de la cérémonie avec leurs fidèles. Déjà parents d'une petite capucine, les deux amoureux avaient profité de leur voyage de noces pour annoncer qu'ils attendaient un deuxième enfant. Papa plus maman plus capucine plus bébé, avaient-ils écrit dans le sable pour révéler l'heureuse nouvelle. L'arrivée du bébé est prévue pour la fin du mois de juillet, comme l'avait confié la future maman dans ses stories. Si Jérôme et Lucille connaissent son sexe, ils ne l'ont pas encore partagé avec leurs abonnés. La maison s'agrandit pour accueillir le deuxième bébé, mais les préparatifs pour accueillir le bébé s'accélèrent déjà, comme en témoignent plusieurs vidéos que les jeunes parents ont partagées sur Instagram. On est en plein dans les travaux pour agrandir pour accueillir bébé en juillet, ont-ils indiqué en légende de ces images. Si est-il un vieux plancher où on stockait du foin. Comme on a un heureux événement qui arrive au mois de juillet, on est en train de créer une nouvelle chambre, précise Jérôme en filmant un sol ancien auquel manquent plusieurs lattes et un mur en pierre. Ça va faire de la poussière, a-t-il ajouté avec humour. Un peu plus tard, il a déjà filmé l'avancée des travaux. Et ben voilà, le plancher que mon grand-père avait fait, démonté. Il avait plus de 70 ans. 70 ans d'histoire, par terre, a-t-il souligné visiblement nostalgique. Le maraîcher ne devrait pas manquer de continuer à partager ce chantier titanesque avec ses fidèles. Jérôme et Lucille ne souhaitent pas avoir de troisième enfant après l'arrivée de leur deuxième enfant. Jérôme et Lucille ne souhaitent plus agrandir leur famille, comme ils nous l'avaient confié. J'ai eu 40 ans en décembre, Lucille a bientôt 35 ans. On va avoir deux bébés en bas âge, qui auront 22 mois d'écart. On veut créer une famille on ne peut plus traditionnelle, donc deux enfants, ce sera parfait, avaient-ils indiqué. À lire aussi Lucille, l'amour est dans le pré, enceinte de son deuxième enfant avec Jérôme, elle dévoile la date de son terme.